بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا
لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Diront-ils que Mohammed l'a inventé? Ceci est au contraire la vérité venant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se guide. Allah qui a créé en six jours les cieux et la terre, et ce qui est entre eux. Ensuite, il s'est établi, Istawa, sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni allié ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas? Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. C'est lui le connaisseur des mondes, inconnu et visible, le puissant, le miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'il a créé, et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile, puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, le sperme, puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit, et il vous a assigné l'ouïe, les yeux et le cœur. Que vous êtes peu reconnaissants. Et ils disent, quand nous serons perdus dans la terre sous forme de poussière, redeviendrons-nous une création nouvelle? En outre, ils ne croient pas en la rencontre avec leur Seigneur. Dis,
l'ange de la mort qui est chargé de vous vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Si tu voyais alors les criminels comparaître, tête basse devant leur Seigneur. Notre Seigneur, nous avons vu et entendu, renvoie-nous donc afin que nous puissions faire du bien, nous croyons maintenant avec certitude. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée, mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Goûtez donc, pour avoir oublié la rencontre de votre jour que voici. Nous aussi nous vous avons oublié. Goûtez au châtiment éternel pour ce que vous faisiez. Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés et par des louanges à leur Seigneur célèbrent sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Celui qui est croyant, est-il comparable aux pervers? Non, ils ne sont point égaux. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront leur résidence dans les jardins du refuge, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Et quant à ceux qui auront été pervers, leur refuge sera le feu. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés et on leur dira « Goûtez au châtiment du feu auquel vous refusiez de croire. » Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas, avant le grand châtiment, afin qu'ils retournent vers le chemin droit. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels. Nous avons effectivement donné à Moïse le livre, ne sois donc pas en doute sur ta rencontre avec lui, et l'avons assigné comme guide aux enfants d'Israël. Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre, aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Ton Seigneur, c'est lui qui décidera entre eux, au jour de la résurrection, de ce sur quoi ils divergeaient. N'est-ce pas pour eux une indication le fait qu'avant eux nous ayons fait périr tant de générations dans les maisons desquelles ils marchent? Il y a en cela des preuves. N'écouteront-ils donc pas? N'ont-ils pas vu que nous poussons l'eau vers un sol aride, qu'ensuite nous en faisons sortir une culture que consomment leurs bestiaux et eux-mêmes? Ne voient-ils donc pas? Et ils disent, à quand cette victoire si vous êtes véridiques? Dis, le jour de la victoire, il sera inutile aux infidèles de croire, et aucun délai ne leur sera donné. Éloigne-toi d'eux et attends. Eux aussi demeurent dans l'attente. عند الله
فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها فلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا
ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا
وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن
أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمغرقون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين
أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Et suis ce qui t'est révélé émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et place ta confiance en Allah, Allah te suffit comme protecteur. Allah n'a pas placé à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. Il n'a point assimilé à vos mères, vos épouses, à qui vous dites en les répudiant « Tu es aussi licite pour moi que le dos de ma mère ». Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche. Mais Allah dit la vérité, et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes.
et ses épouses sont leurs mères. Les liens de consanguinité ont dans les successions la priorité sur les liens unissant les croyants de Médine et les émigrés de la Mecque selon le livre d'Allah, à moins que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de vos frères en religion. Et cela est inscrit dans le livre. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie, et nous avons pris d'eux un engagement solennel, afin qu'Allah interroge les véridiques sur leur sincérité, et il a préparé aux infidèles un châtiment douloureux. Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand des troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas de toutes parts, et que les regards étaient troublés, et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions, les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Et quand les hypocrites, et ceux qui ont la maladie, le doute au cœur, disaient « Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie ». De même, un groupe d'entre eux dit « Gens de Yathrib, ne demeurez pas ici, retournez chez vous ». Un groupe d'entre eux demande au prophète la permission de partir en disant « Nos demeures sont sans protection », alors qu'elles ne l'étaient pas, ils ne voulaient que s'enfuir. Et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville, et qu'ensuite on leur avait demandé de renier leur foi, ils auraient accepté, certes, et n'auraient guère tardé. Tandis qu'auparavant ils avaient pris l'engagement envers Allah qu'ils ne tourneraient pas le dos. Et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah. Dis, jamais la fuite ne vous sera utile si c'est la mort sans combat ou le meurtre dans le combat que vous fuyez. Dans ce cas, vous ne jouirez de la vie que peu de temps. Dis, quel est celui qui peut vous protéger d'Allah s'il vous veut du mal ou s'il veut vous accorder une miséricorde? Et ils ne trouveront pour eux-mêmes en dehors d'Allah ni alliés ni secoureurs. Certes, Allah connaît ceux d'entre vous qui suscitent des obstacles ainsi que ceux qui disent à leurs frères « Venez à nous », tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat. Avare à votre égard, puis quand leur vient la peur, tu les vois te regarder avec des yeux révulsés, comme ceux de quelqu'un qui s'est évanoui par peur de la mort. Une fois la peur passée, ils vous lacèrent avec des langues affilées, alors qu'ils sont chiches à faire le bien. Ceux-là n'ont jamais cru, Allah donc rend vaines leurs actions, et cela est facile à Allah. Ils pensent que les coalisés ne sont pas partis. Or, si les coalisés revenaient, ces gens-là souhaiteraient être des nomades parmi les bédouins, et se contenteraient de demander de vos nouvelles. S'ils étaient parmi vous, ils n'auraient combattu que très peu. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre, pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, et invoque Allah fréquemment. Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent « Voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. » Et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité, et châtie s'il veut les hypocrites, ou accepte leur repentir. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien, et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Et il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre qui les avaient soutenus, les coalisés, et il a jeté l'effroi dans leur cœur.
un groupe d'entre eux vous tuiez et un groupe vous faisiez prisonnier. Et il vous a fait hériter leurs terres, leurs demeures, leurs biens, et aussi une terre que vous n'aviez point foulée. Et Allah est omnipotent. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerai par un divorce sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager, ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Ô femme du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par deux fois, et ceci est facile pour Allah. Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager et qui fait le bien, nous lui accorderons deux fois sa récompense et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. Ô femme du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, l'hypocrite, ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. Restez dans vos foyers, et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam, jahiliya. Accomplissez la salat, acquittez la zakat, et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison du prophète, et veut vous purifier pleinement. Et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah, et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public, tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif, quand ceux-ci cessent toute relation avec elle. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Nul grief à faire au prophète en ce qu'Allah lui a imposé, conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Ceux qui communiquaient les messages d'Allah le craignaient et ne redoutaient nul autre qu'Allah, et Allah suffit pour tenir le compte de tout. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. Leur salutation au jour où ils le rencontreront sera « Salam, paix » et il leur a préparé une généreuse récompense. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah
par sa permission, et comme une lampe éclairante. Et fais aux croyants la bonne annonce qu'ils recevront d'Allah une grande grâce. Et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, ne prête pas attention à leur méchanceté, et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur jouissance d'un bien et libérez-les par un divorce sans préjudice. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mar, dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves qu'Allah t'a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons, certes, ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles, et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne t'est fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné à toutes. Allah sait cependant ce qui est en vos cœurs, et Allah est omniscient et indulgent. Il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes. Et Allah observe toutes choses. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis, quand vous aurez mangé, dispersez-vous sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier, alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez à ces femmes quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Que vous divulguiez une chose ou que vous la cachiez, Allah demeure omniscient. Nul grief sur elles au sujet de leurs pères, leurs fils, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, leurs femmes de suite et les esclaves qu'elles possèdent. Et craignez Allah, car Allah est témoin de toutes choses. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas, comme dans l'au-delà, et leur prépare un châtiment avilissant. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes, sans qu'ils l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Certes, si les hypocrites, ceux qui ont la maladie au cœur, et les alarmistes, semeurs de troubles à Médine, ne cessent pas, nous t'inciterons contre eux, et alors ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage. Ce sont les maudits. Où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement.
telle était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. Les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, sa connaissance est exclusive à Allah. Qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement sans trouver ni alliés ni secoureurs. Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, c'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Ô notre Seigneur, inflige-leur deux fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Allah l'a déclaré innocent de leurs accusations, car il était honorable auprès d'Allah. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Il en est ainsi afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux.